Lucina sur ce set. Et 0. Oui, Zorofka qui part sur Lucina, je pense que Druid. Et Zen qui part sur King K. Rool. C'est vrai qu'il joue K. Rool aussi, j'ai vu le set alors sur K. Rool. Donc voilà. Hop, alors je vais éviter de régler là les danses. J'aime pas quand. Alors non, c'est pas mal, je vais changer ça. Alors en tout cas, Belle Neutral pour l'instant qui se tient assez, hein, j'ai tout envie de faire. Là, Evdan qui s'est mis limite intentionnellement sur le corner quoi. Après, King Kero, bah, ça a beaucoup joué à la projectile. Donc le temps qu'il sorte son boulet de canon et sa couronne quoi, enfin projectile. En tout cas, ces deux projectiles l'aident beaucoup dans le neutral, voilà quoi. Donc c'est qu'on peut le voir dans le CP. Le backer qui spike hein, de Kero aussi, donc un peu à la backer de Lucas. Il peut faire une espèce de semi comparaison. Et pourquoi ça ne marche pas? Voilà, donc ça a mis space un backer et du coup il sera puni sur un F-Smash. Et bon, Smash Ville hein, qui garde toujours ses blazones assez assez limitées en tout cas sur les côtés. Lucina a aucun mal à tuer. Hein. Par contre, là, le machine de Zorofka qui a pas été au point, hein, genre il était à 100. Peut-être c'était trop, hein, mais genre Evden carrément il a eu le temps quoi de charger l'F-Smash. Evden d'ailleurs qui a fait l'F-Smash donc anglais vers le haut. Clairement il était prêt quoi à ce que Zorofka mâche vite et que du coup il soit assez élevé pour le caler. Et du coup ben là Zorofka qui repère l'avantage d'un seul coup. Ah d'ailleurs on peut voir, je crois que oui, en effet il y a bien un craquement sur le ventre de Kero. Alors j'ai oublié de quel move il a essayé de. Il a super un mur. Et encore une fois donc un autre move, je pense que c'était un fer, hein, enfin un neutre alert pardon, comme il vient de se passer ici. Voilà, donc ça aspire, il s'envoie grave loin, on dirait pas comme ça, hein, et du coup ça met grave bien en difficulté. Mais ça revient, et le B, voilà, la petite box dessus, hein, qui fait plaisir. Hein. Très très dur edge guard, hein, qui roule vers le haut. Et là le CT, encore une fois, la super armure dessus, quoi. Super solide, la super armure un peu partout. Ce qui n'en pas des gosses, mais au bout d'un moment, voilà, faut faire attention. Parce que si Evdan ne fait pas gaffe, et sa super armure va se craquer. Et voilà, voilà. Donc coup, là par contre, ça a su aspirer, donc par. Par la carabine, je sais, j'ai oublié de quel gun c'est ce que porte celui qui utilise King Kero. En tout cas, un qui move même pas dégueu, un qui peut en B, donc à l'avant en diagonale, du coup, à l'arrière en diagonale également, ou bien vers le haut, donc c'est au choix un peu. Et putain, le donner qui a la soirée dessus. Ça fait 3 craquements, hein, je crois, depuis le début de cette stock. Est-ce qu'on va réussir à avoir un shield break entre guillemets ou un super armor break? Y a pas vraiment de nom, je pense, encore pour ça. Et ouais voilà. Et Evden par contre qui a aucun mal à revenir hein, genre franchement il revient bas. Enfin il se met en fait bien en dessous de l'edge. Comme ça voilà, pour se faire spike, il y a vraiment qu'une seule option à la cavalerie, c'est vraiment juste au-dessus de l'edge. Et du coup ça le facilite un peu la tâche. Et Evden qui se suit là, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait la boule, il a fait le boulet de canon et il est tombé avec l'aspirateur. Oui j'ai fait ça l'aspirateur. Je sais pas c'était plus un pute le fait de continuer à aspirer. Peut-être qu'il voulait se retourner ou quoi et aspirer Lucina et l'envoyer offstage, ou en tout cas en dessous peut-être. En tout cas si c'est le cas c'est un raté. Du coup ben là sur Zorofka par contre hein, maintenant ça y est, là il est de retour dans la game, il a volé la stock entre guillemets quoi. Donc là faire très attention à ça. Donc la couronne de Kero là, quand il la perd, donc ça devient un item que que l'adversaire peut utiliser. Et du coup Kero ne peut pas utiliser son set évidemment. Mais par chance pour lui c'est revenu pile au-dessus, donc calme. Voilà, encore une fois, là on voit justement, donc cette fois ça envoie bien vers l'arrière. L'aspirateur. Ah, ça me fait counter. Counter, hein, il se passe rien, tu mets ça contre dans le sens où il n'y a pas de craquement sur le vide quoi. D'ailleurs, le counter de Kero qui est aussi un réflecteur, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à utiliser, mais c'est bien réflecteur. Et là, Evdan il a fait la connerie là. Il a fait la connerie. Alors il s'est quitté à la fin de je ne sais plus quel coup. Il a air dodge. Et il a air dodge. Et du coup ben voilà il est tombé dans le vide. Parce que beaucoup de lag a fait l'air dodge, hein. Une seule air dodge dans ce jeu aussi. C'est la dodge directionnelle. Donc là aucune chance qu'il survive. Donc peut-être une air dodge normale ça aurait fonctionné. Enfin, il aurait eu le temps de revenir parce qu'il y a moins de lag dessus. Mais là, Android Jackson, surtout qu'il avait pas de saut. Bon, du coup, c'était compliqué. Du coup, on va sur je sais pas quel stage. Est-ce que c'est Smash Ville?
Ok, on est toujours sur Smash V, donc j'avais peur qu'ils aient pas changé en Hazard of. On va bien voir comment ça se passe. Donc en BO3, hein, donc pas oublier ça par contre. Hein, donc là, Evenen, il va falloir qu'il se remette de son suicide hein, très vite. Parce que s'il perd cette game, hein, il part en loser, donc il peut toujours se rattraper. Mais là, ZRFK, il va continuer à avancer, il aura pas de problème pour lui. Quoi. 0% hein, toujours sur les cartes. Voilà, 0 to death. 0 to death, les gars. Ça cale le petit neutral là, voilà, qui roule off stage. Et là, boum, ça tombe mal. Il recover trop sur le côté. Du coup, il était obligé de recover à cet endroit là. Sinon, il mourrait quoi. Et du coup, bah, c'était l'angle parfait quoi pour que ZRFK le chope au SP. Voilà, encore une fois, voilà. Alors, je crois que en fait, Einstein à chaque fois il claque son saut. Dans le combo de Lucina. Et là, du coup, il pensait vraiment que le B allait l'envoyer en tech situation. Du coup, il a voulu air dodge pour tech. Et vraiment pas assez de pourcent pour mettre cela. Et que DSD. Que DSD là par contre de la part de. Enfin, pas vraiment une SD. Toute une couille. Mais là, 2 SD hein, de la part de Evenen. Donc c'est vraiment très très dommage. Hein. Et bien joué à ZRFK par contre qui a réussi à tenir le neutral sur la deuxième partie. Hein. Et voilà.